Nous vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, nous venons avec cœur joyeux devant toi. Nous avons un désir ensemble de chanter combien tu es fort et grand. Nous vivons combien tu prends soin de tout un chacun. De ton œuvre, tu réponds à nos suppliques. Cher Père Céleste, nous constatons de plus en plus ta force, ta puissance, mais la profondeur de ton amour. Ta connaissance, nous ne pouvons que gratter la surface. Mais ta présence, nous le vivons à tout moment. Et c'est pour cela que nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Accepte ce merci, cher Père Céleste, pour ton intervention, pour ce que tu fais pour nous. D'avoir mis devant nous une lumière pour que nous puissions aussi espérer à nouveau d'entrer dans ta maison. Du fait que tu nous as conduits, tu as conduit même les autorités et tout un chacun à travers ces moments difficiles. Et même dans la souffrance, nous sentons comment tu es là. Que tu nous donnes cette occasion ensemble pour prier l'un pour l'autre. Nous mettons les cas de notre frère et de notre sœur devant toi. Ceux qui sont déchirés dans le deuil et dans la perte d'un bien-être cher. Et cher Père Céleste, ceux qui sont dans la peine ou dans le chômage, dans la douleur ou la maladie, ceux qui connaissent des difficultés financières et ont des conflits, cher Père Céleste, interviens. Mais aussi pour ton œuvre, cher Père Céleste, permet que nous puissions continuer et avancer et croître ensemble. Donne à tes serviteurs et servantes la force nécessaire pour continuer. Protège nos enfants, notre jeunesse. Nous avons une pensée pour nos bien-aimés dans l'au-delà. Que tu permets là aussi un développement. Et que tu permets qu'ils puissent venir aussi souper à cette table. Nous cherchons unité avec notre apôtre patriarche. Et que ces prières continuent à nous couvrir. Et ton peuple dans ce pays. Nous te demandons cela, que ton esprit puisse se manifester maintenant. Et que les pensées humaines ne sortent pas. Tout vient de toi. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux à nouveau de passer ces moments ensemble. Et de partager avec vous une parole que notre apôtre patriarche nous donne. Extraite d'Exode, le 20e chapitre, verset 15. Tu ne déroberas point. Verset 15, s'il vous plaît. Jusqu'à là, la chorale peut nous chanter un cantique. Thank you.
bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs. Balingami katia Christo mi balimpe basi. Passer ces quelques moments ensemble en ces circonstances nous donne aussi une joie dans les moments de difficulté. Que sous l'efficacité de la parole et de l'esprit, nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Certes, vous et moi avons été fortifiés, peut-être et encouragés par cette décision, que bientôt nous pouvons être ensemble dans la maison. Et peut-être la question est en nous depuis plusieurs semaines, ça existe même dans le cœur de notre apôtre patriarche. Pourquoi tout cela? Nous avons compris le danger de cette question pourquoi. Mais on ne peut que se demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut cette pandémie? Oh, certainement, on ne peut pas connaître toutes ses pensées, ni son agir, mais il ne peut pas prendre plaisir à tant de morts et de difficultés. Est-ce que Dieu veut ça? Je ne pense pas. Mais Dieu permet cela, ça c'est sûr. Parce que rien ne se passe sans la permission de Dieu. Pourquoi il a permis ça? Notre apôtre patriarche a dit dimanche passé, on ne sait pas, on ne peut pas vous expliquer. Pourquoi il a permis? Peut-être non, on ne sait pas. Mais il a permis parce qu'il a vu que cela ne va pas entraver ou empêcher son plan de salut. Dieu ne peut pas permettre à ce que le salut soit empêché. Dans l'histoire et même à présent, en ces moments. Et pour toi et moi, cela ne va pas empêcher non plus le salut de notre âme. Nous en sommes certains, sinon Dieu ne pouvait pas le permettre. Et c'est ainsi qu'à travers tout ceci, il nous accompagne. Mais pendant ces moments, nous avons eu une possibilité peut-être de réfléchir un peu, d'approfondir un peu notre état. D'essayer de comprendre mieux quelle est notre relation avec Dieu. Notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est ma relation avec ma communauté? Avec mon Église. Et nous voulons nous approfondir là-dedans pour aussi bien étudier ça. Certes, l'appréciation de la communauté augmente pendant que nous sommes séparés. Peut-être l'un ou l'autre a la pensée, ah, c'est un signe de temps, le Seigneur vient bientôt. Oh, nous ne pouvons pas le dire parce que personne ne le connaît. Et les signes apparaissent comme les guerres dans le passé. Les gens disaient, oh, le Seigneur vient bientôt à cause de ça. Les conditions ici-bas ou de l'homme ne change pas la venue de notre Seigneur. C'est bien marqué, deux étaient au moulin, un était pris, l'autre pas. Deux étaient au lit, deux étaient au champ.
Un était pris, l'autre pas. Donc la condition de l'homme ne définit pas la venue. Seul Dieu connaît. Nous pouvons que nous tenir prêts. Et c'est ça que l'apôtre Patriarche insiste et nous insistons ensemble avec lui. En Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts, nous soyons prêts. En tout moment, il peut venir. Nous étudions, nous profitons de ces moments pour étudier notre relation. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nous sanctifier. C'est lui qui sanctifie. Mais c'est nous qui nous mettons dans une position où que cela soit possible. Voici, nous avons ce texte biblique ici. Assez simple, tu ne déroberas point. Il ne faut pas voler. Oh, c'est une ancienne loi, on le lit en Exode. Mais on peut étudier d'où cela vient, bien sûr, de notre Père Céleste. Mais le commandement tire ses origines d'abord pour, on peut dire, le rapte humain. Le rap, je ne savais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire l'enlèvement, le kidnapping, comme disent les Anglais. Et pour cela, il y avait une punition assez forte. En Exode 21, c'est punissable par la mort. Dieu voulait protéger en cela la liberté que l'homme a. C'est pour cela qu'il a été clair maintenant, il ne faut pas enlever l'un ou l'autre. Chacun est précieux. Mais dans le verset 22, ça continue à décrire ce commandement. Maintenant, ça parle aussi de tous les biens qui appartiennent à notre prochain. Et les punitions pour cela, oui, il faut rembourser 4 fois, 5 fois, 2 fois. En fonction de la grandeur peut-être de crime. Là, c'était clair, il parlait de biens terrestres. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire dans le catéchisme. Dans la question et réponse, question 348. La question 348. 352, permettez-moi, j'ai écrit un extrait. Parce qu'il y a plusieurs différentes caractéristiques de vol. C'est décrit l'usure, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont excessifs. L'exploitation de la détresse de quelqu'un. Le détournement. La soustraction. L'escroquerie ou la tromperie. La fraude fiscale. La corruption. Kanyaka. Le gaspillage de fonds confiés par autrui. La prise de propriété intellectuelle. La violation de la réputation et de la dignité d'une personne. Bien-aimé, vous voyez, la liste est longue. Parce que parfois, on peut dire, bon, le vol, c'est le vol. Mais, vous voyez, il y a une grande définition. Parfois, l'homme a essayé de réduire l'importance ou la gravité. On a même développé les termes. Je n'ai pas volé, j'ai bouffé. J'ai pris. J'ai utilisé. Tous ce sont des termes pour amoindrir
le problème, c'est le vol. Vous allez dire maintenant, cher apôtre de district, vous êtes en train de nous apprendre ou bien de nous marteler des choses d'en haut. Non, la parole s'applique à tout le monde. La parole est une épée à deux tranchants. Ça nous affecte tout et nous faisons tous attention. Notre Seigneur Jésus en a parlé lui-même. Lorsqu'il a parlé avec le jeune homme riche, c'est un des commandements, il a cité, tu ne voleras point. Et là, il parlait de sens de l'Ancien Testament. Mais un peu plus loin, il est entré dans le vol, on peut dire spirituel. En Jean 10, il parlait de ceux qui ne sont pas entrés par la porte. Mais ceux qui sont entrés par d'autres moyens afin de voler les brebis. Et c'est ce que Paul il a parlé en Actes des Apôtres 20. Des Apôtres chapitre 20. De ceux qui sont venus après lui pour donner un autre enseignement, pour détourner. Donc vous voyez, ça touche ce monde, on peut dire, naturel, terrestre, mais spirituel aussi. D'abord, bien, c'est, nous sommes au conscient de cela et au courant de cela, qu'est-ce que cela veut dire? Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui pousse l'un ou l'autre à voler? On peut dire la cupidité, c'est-à-dire l'amour excessif des biens terrestres qu'on cherche à avoir. On voit les biens que les autres ont. Sa richesse, son statut. Nous ne pouvons pas être contents. Il y a quelque chose qui grignote à l'intérieur de nous. Et pour cela, on cherche à s'accaparer. Numéro 2, c'est l'insatisfaction. Ça, c'est la nature humaine. L'homme a tendance à voir ce qu'il n'a pas. Et ne pas voir ce qu'il possède. L'insatisfaction peut être la source des autres problèmes, l'adultère des autres choses. Dieu nous donne des choses, nous pouvons avoir une femme. Une famille. Mais nous ne pouvons pas être satisfaits. Et nous voyons d'autres choses et on doit l'avoir. Et si nous ne contrôlons pas cette cupidité, ça peut nous pousser à faire des choses que normalement on ne ferait pas. Et qui va à l'encontre des lois de Dieu. On peut dire en plus l'ambition. L'ambition, c'est bien. Un enfant qui n'est pas ambitieux, il ne va pas étudier bien. Il ne va pas chercher à avancer. Mais une ambition extrême n'est pas saine. Ça va pousser l'un ou l'autre à transgresser la loi de Dieu. C'est cette ambition exagéré qui est dangereux. Que nous devrions contrôler. Oh certes, il y a des situations, des circonstances. Il y a un dicton, j'ai écouté hier, ventre creux n'a pas point doré. Tellement on en avait besoin. On s'est permis de faire
emprunter, utiliser ou bouffer les choses d'autrui. Et certes, il y a des circonstances. Nous sommes loin d'être juges. Prends le cas d'un maman au marché qui a son enfant qui va mourir parce qu'il n'a pas à manger. Va prendre un pain, oui, c'est le péché. Mais c'est là où nous avons parlé de culpabilité. C'est-à-dire le degré de faute que Dieu attribue. En quelque sorte, ça définit la punition. Plus que la culpabilité est grande, plus que la punition est grande. Pour certains cas, on peut dire que la culpabilité peut être zéro, nul. Mais n'empêche qu'un péché reste péché. Et ces cas, cependant, sont rares. Il faut faire attention de ne pas relativiser des choses. Sinon, on peut dire, j'avais tellement besoin. C'est ça qui m'a poussé. Nous devrions être satisfaits de ce que Dieu nous donne. C'est un signe d'amour, la satisfaction. Et c'est ça que Christ nous a donné, toi et moi. Lorsqu'il a prononcé aussi le commandement d'amour. Et Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Il a dit d'abord aimer notre Père Céleste avec tout ton corps, tout ton âme. Tout ton esprit. Et notre voisin comme soi-même. Et si nous le faisons, nous mettons cela en pratique, nous respectons de plus en plus. Autrui et ceux qui appartiennent à autrui. Nous aimons Dieu. Et c'est cela qui pousse, comme a poussé Joseph à l'époque, pour dire, je ne peux pas faire une telle chose contre mon père. Il faut un effort, nous nous faisons un effort de nous mettre sous l'enseignement de l'Esprit, d'utiliser l'Esprit qui est en nous afin de résister et de réparer quand il y a des difficultés, des problèmes, des infractions. Parce que ça peut être pardonné, mais on est toujours responsable de dégâts que cela a causé. On peut être pardonné, mais la responsabilité reste. Quand Christ est allé auprès de Zachée, le publicain qui collectionnait des taxes, et il a enseigné, il a fait une visite de famille, cure d'âme. Il a été touché. Il savait que le Seigneur, plein d'amour, il voulait suivre son enseignement. Cependant, il était prêt pour dire, je donne la moitié aux pauvres. Et si j'ai fait du mal à une personne, je rentre quatre fois. Là, il suivait la loi juive qui était importante. Non seulement d'accepter le pardon, mais d'être responsable aussi des dégâts. C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne et nous continue à nous enseigner. Plus loin, on peut le lire en Luc 12e chapitre. Il nous a donné 12. Chapitre 12, il nous a donné l'exemple de l'homme riche insensé. Qui n'avait pas d'autre chose à faire. Beaucoup de choses il voulait faire maintenant, détruire ce qu'il avait pour construire encore davantage. Et le Seigneur a dit insensé.
Tu ne sais pas que ce soir on peut demander ton âme. Il a enseigné et conseillé, concentré sur ce qui est céleste. La richesse de Dieu. C'est ça qui nous a enseigné. Nous suivons cet exemple. C'est ça qui est important. C'est pour cela que nous aspirons, pas tout simplement à ce qui est ici-bas. C'est bon, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas cela qui définit notre vie ni notre bonté. Parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup, ils ne peuvent même pas dormir, ils n'ont pas la paix. Nous suivons la priorité. Nous voulons aller vers l'avenir. Par l'enseignement. De Christ. D'utiliser et insister et développer notre amour pour notre prochain, pour notre Dieu. Cela va nous permettre de mieux en mieux de respecter pour dire non, ça appartient à d'autres personnes. Pour les personnes, peut-être on convainc parfois si c'est une institution. Un gouvernement. Une organisation, une association. On ne voit pas personne. Une personne. Et on peut se le permettre. Mais comprenez que tout cela est composé de plusieurs personnes. C'est tous les citoyens qui composent le pays. Tous les membres composent le corps de Christ. Et Christ a dit, si vous faites quelque chose pour un des plus petits, vous faites ça pour moi. Et contre moi. Nous voulons voir pas tout simplement nos besoins. Reconnaître que les autres ont des besoins. Et parfois, leur besoin, c'est plus grand que le nôtre. Et surtout, insister. Que l'importance n'est pas les biens terrestres. Mais ce qui est important, c'est ce qui vient d'en haut. Oh bien, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas faire la démagogie. À nouveau, être ceux qui sont là pour enseigner le moral. Mais l'Esprit nous guide à suivre l'enseignement de Christ. Nous implantons ça dans notre cœur, dans le cœur de nos plus petits. Et nous allons vivre le développement et cela va porter aussi le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Et bien aimé, nous sommes heureux d'être ensemble avec notre apôtre Wamba. La chorale peut préparer le chemin. Et nous l'invitons ici à l'hôtel. Oh,
Mes bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur. Balingami mibali mpe basi katina Christo. Nous venons d'être nourris par notre apôtre district. Tosilinde kolie isamanzela ntoma na biso district. Qui venait développer parmi nous le septième commandement. Oya utinde ko pesa ko limbole la biso mokano qui stipule. Oya zali kolobete. Ne volez pas. Okoyiba te. Vraiment, il nous a aussi expliqué qu'est-ce qui pousse l'homme à voler. C'est la cupidité. La cupidité aussi peut pousser quelqu'un à voler. L'insatisfaction aussi. Il a aussi épinglé les problèmes de Luc chapitre 12, là où c'est écrit un homme est venu auprès de Jésus. Bongo lobeli pe likambo etali moto na bomengo na Luc chapitre 12 moto ayaka pene na Christo pour que celui-ci puisse partager l'héritage que leur père leur avait laissé avec son frère. Oyete abande ko kabolela bango bomengo yo tata na bango atikela ki na ndeko na ye. Alors le Seigneur n'a pas voulu, il a dit il n'est pas leur juge. Et par après, le Seigneur lui a montré le parabole d'un homme qui faisait les champs, qui a eu beaucoup de récoltes. Bongo Christ a pesa ki lisese ya moto oyo azalaka bilanga bongo azwaka nde biloko ebele. Et cet homme-là voulait dire à son âme et à son corps de se réjouir. Bongo moto elinga koyebisa na mosuke moye mpe nzoto na ye ebande kosepela. Mais ce n'était pas la volonté divine. Et Dieu lui a dit, cette nuit ici, ton âme sera ôtée. Et tous ces biens-là serviront à quoi? Et les conseils qui étaient donnés dans Luc chapitre 12, verset 21, Bongo na mukanda ya Luc chapitre 12 na verset 21 to lieu pesama ke lobiete. Il faut chercher les richesses célestes. Et sengeli nde ko lukande bomengo ya likolo. Cet homme là voulait se réjouir de bien de leur père. Moto wana linga kinda sepela na bomengo ya tata na bango. Mais les richesses spirituelles c'est quoi? Bongo sika bomengo ya likolo ezali nini? C'est la parole divine. Liloba que nous pouvons partager avec tout le monde et n'aura pas la fin. La richesse divine, c'est quoi aussi? Bomengo, yalikolo ezali nini? La grâce de Dieu. Ngolu na Nzambe. Qui est là pour vous et pour moi. Tout le monde peut en bénéficier. La richesse spirituelle, c'est quoi aussi? C'est aussi vivre éternellement auprès de Jésus que nous tous, si nous acceptons aujourd'hui, au jour du Seigneur, nous allons bénéficier de sa grâce. C'est comme ça que notre apôtre district nous a parlé aussi de notre relation avec Dieu. Avec l'Église, avec Jésus-Christ, avec les nôtres, que ce soit la période que nous étions un peu éparpillés, où nous n'étions plus ensemble, nous étions chacun à son coin. Que ce soit lorsque nous allons nous réunir encore dans la maison du Très-Haut, tout le monde. Notre relation contribue-t-elle à la volonté divine? Parce que si nous nous mettons seulement à notre conception, notre façon de voir les choses, Dieu ne nous acceptera pas. C'est comme ça qu'il nous est demandé de ne plus voler. De ne plus voler les doctrines de l'extérieur.
Parce que il y a aussi d'autres enfants de Dieu ou serviteurs qui ouvrent leurs oreilles pour écouter de n'importe quoi qui vient de l'extérieur. C'est comme ça que l'apôtre Paul en a parlé à son époque. De ne plus accepter d'autres doctrines qui viennent de l'extérieur. Si nous tenons bon et les jours du Seigneur, notre relation sera bonne et il nous prendra pour l'éternité. Que ceci reste gravé dans nos âmes jusqu'à son retour. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous pouvons regardez de gauche et à droite. Malingami tokiotala na loboko ya mwasi tope ya mobali. Nous voyons un autre en bonne situation. Kotala mosusu ya zali kobika malamu penza. On pensait ah il est bon, elle est bien. Kolobete ya zali na ye malamu azana likambote. Mais au fait, nous ne savons pas ce qui arrive au fin fond de leur cœur. Zokande to ebite mayezali na mozindo ya motema na ye. On a l'impression que tout va bien là-bas et chez moi. C'est seulement moi qui souffre. On a appris, ne regarde pas trop loin, regardons tout simplement à l'intérieur de nous. Tout dépend peut-être de notre conception de péché. Quand nous savons qu'un péché nous sépare de Dieu, avec les péchés, je ne peux pas entrer au ciel. Même avec un péché, je ne peux pas entrer. Et ce péché me sépare de l'amour de Dieu. Alors, là, mon repentir est sincère. Je fais tout à ce que je regrette et je cherche à effacer cela. Ce n'est pas par peur, par gain, par d'autres choses. Cela me sépare de Jésus, me sépare de Dieu. Alors je ne veux pas ça. Et c'est cet amour qui nous permet de continuer sur le chemin. Et de sincèrement repentir. Nous recevons avec joie les nouvelles. En bientôt, dans deux semaines, on peut célébrer ensemble Sainte-Cène. On se prépare en fonction, on va donner les instructions, comment cela doit se passer. Mais peut-être l'un ou l'autre dit que Dieu nous a abandonnés pendant ces moments. Christ nous a laissés. Il ne peut pas. Il nous a donné sa vie. Il a tout donné pour toi et moi. Comment on peut dire, je t'ai donné ma vie. Comment je ne peux pas t'aider? Nous continuons à placer la confiance en Christ et en Dieu. Dans notre préparation. Pour que nous soyons tous ensemble à table. Il ne faut pas oublier de chercher l'unité. Tu peux être autour de table. Mais si personne ne parle, si on se discute, si il y a des mauvais sentiments, papa et maman, vous aimeriez une telle table. Vous pouvez bien manger, je ne peux pas. Mais quand il y a la joie, l'harmonie, la paix, nous avons tous nos différences, les problèmes ne manquent. Et nous serons à table ensemble. Cela va être dans l'unité et dans l'amour. Et là, on peut bien manger, bien profiter. Nous voulons préparer davantage notre cœur et notre âme. Avec ce cantique de repentance. Amen. Amen.
Et bien aimé, je demande à la communauté de se lever. Et ensemble, nous voulons prononcer la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Chers Pères Célestes, merci à nouveau pour ce pardon. Pour la grandeur de ton amour envers nous. Tu envoies ton Fils pour nous, il est mort pour nous. Tu continues à nous pardonner. Et chers Pères Célestes, tu nous invites à table. La reconnaissance emplit nos cœurs pour le sacrifice. Pour le pardon, pour cet amour. Permet que nous puissions rester en unité. À nouveau, sois avec notre apôtre patriarche, à tes enfants, tes serviteurs. Que nous puissions tenir ferme tous à toi. Et qu'on peut traverser ces moments difficiles. Chers Pères Célestes, nous te disons merci aussi pour la décision qui a été prise. À nouveau, nous pouvons être ensemble dans ta maison. Nous continuons à prier pour le pays. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui soignent. Pour les autorités, conduis en chaque chose. Que ton esprit puisse aussi illuminer le chemin. Et la paix puisse dominer. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, avec une prière, nous voulons clôturer le service divin. Merci, cher Père Céleste, à nouveau pour parole et pour grâce. Pour ces moments précieux ensemble. Que nous puissions à nouveau nous préparer davantage pour l'arrivée de ton Fils. Notre souhait, c'est que tu l'envoies aussi vite que possible. Nous te supplions, ouvre le chemin, qu'il vienne bientôt. Et que personne ne soit oublié ou laissé. Bénis, protège tes enfants. Bénis les offrandes, les différents sacrifices d'amour de tes enfants. Que là aussi tu vois toute chose, c'est une expression de notre reconnaissance envers toi. Une expression de l'amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Couvre et protège ton peuple. Selon ta volonté. Et garde-nous en unité avec notre apôtre patriarche. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.
Merci beaucoup, mes bien-aimés. Matondo mingi balingami. Nous avons, comme on a dit, joie que dans 2 semaines, nous pouvons être ensemble dans la maison de Dieu. Nous allons préparer et vous donner les consignes, comment ça doit se dérouler. Et aussi que Dieu vous protège et vous garde d'ici là. Je vais prendre une petite pause personnellement. Mais les apôtres, les évêques sont là. Vous continuez à tenir le service divin. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce qu'on se revoie. La chorale peut chanter un cantique.